Bonsoir à tous, que le Seigneur soit béni. Bonsoir. Waouh, le Seigneur est merveilleux. Nous sommes arrivés hier et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. On bénit le Seigneur pour l'accueil aussi, les frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. Donc, je me présente, je suis votre frère, Victor. Bonsoir à tous. Voilà, que le Seigneur soit béni. C'est beau de voir ce que le Seigneur fait. C'est beau de voir que on partage une même foi en notre Sauveur, Yahushua Mashiach. Amen. J'ai un message à partager de la part du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce temps, merci pour l'œuvre que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons être avec toi, Seigneur. Nous voulons prendre ce temps et cette soirée avec toi, Seigneur. Que tu nous conduises en toutes choses, Père. Que nous soyons soumis à ton esprit, Seigneur, et que tu nous parles. Que tu nous parles à nos cœurs, Seigneur. Nous avons soif de toi, nous avons soif de que tu sois là au milieu de nous, Seigneur. Nous ne demandons rien d'autre que ta présence, Seigneur. Rien d'autre que ta vie, Seigneur, rien d'autre que toi, Seigneur. Laisse que nos cœurs se disposent à toi, laisse que nos cœurs, Seigneur, s'ouvrent pour recevoir ta parole, Seigneur. Nous voulons être purifiés, nous voulons être nettoyés par toi, nous voulons être changés par toi, Seigneur, restaurés, libérés, Seigneur, afin d'être avec toi, Seigneur. Merci pour, Seigneur, ce que tu fais, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais en ces lieux, Seigneur. Sur cette île, Seigneur, Père de gloire, que tu continues d'agir, que tu continues de parler, que tu continues de restaurer, de guérir, Seigneur. Au nom de Yahushua, Seigneur. Merci, Père, pour ta vie. Merci, Adonai. Tu es si glorieux, tu es si merveilleux, Seigneur. Mon cœur ne peut rester indifférent devant toi, Seigneur, parce que tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu as les paroles qui donnent la vie, tu as les paroles qui donnent l'espérance. Tu as les paroles, Seigneur, qui provoquent en nous la foi, Seigneur, Père de gloire, qui nous donne envie de te suivre, qui nous donne envie de t'aimer encore, Seigneur. Tu as ces paroles-là qui guérissent, qui restaurent nos âmes blessées, Seigneur. Et je prie encore que tu continues, Seigneur, d'agir, tu continues de le faire, Seigneur, malgré nos failles, malgré nos défauts, Seigneur, malgré, Seigneur, nos manquements, Seigneur, Père de gloire, tu continues de parler à nos cœurs, Seigneur. Et nous voulons que tu parles encore, Seigneur. Ce soir. Oh, merci. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. Vous savez, des fois, on a un peu, je sais pas comment dire ça, mais on est un peu stressé. Vous savez, on est des humains. On est pareil, en fait. Quand on voit une foule devant face de nous, c'est aussi impressionnant, en fait. Et c'est vraiment la grâce du Seigneur qui nous permet de parler en fait de sa part. Amen. C'est vraiment sa grâce. Et s'il n'est pas là, on ne peut rien faire. Si Yahushua n'est pas là, on ne peut rien faire. Je vous assure que c'est une réalité. C'est une réalité. Si le Seigneur n'est pas là, on ne peut rien faire. On ne fera rien. On pourra faire autant de réunions qu'on veut. On pourra parler autant de fois qu'on veut. Mais s'il n'est pas là, ça sert à rien. C'est terrible, hein? Et on a besoin de lui pour à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Parce que quand il est là, tout devient facile. Amen. Quand il est là, tout devient facile. Tout devient simple, c'est fluide, c'est... Voilà. On aime bien dire ça coule. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ça parce que c'est... Voilà, je sens sa présence et ça me fait du bien. Ça m'encourage. Ça me donne la force de parler. Amen. Parce qu'on est des humains. Et malgré tout ce que le Seigneur peut faire au travers de nous, tout ce qu'on peut voir le Seigneur faire au travers des uns et des autres, on comprend en fait finalement que avec le temps, on est des humains. On est des humains avec des cœurs. Avec des cœurs qui
qui ont soif, qui ont des désirs, qui ont des envies, qui ont aussi des blessures. Et au final, à la fin de la journée, après avoir prêché, après avoir chanté pour le Seigneur, on est des humains, on est des enfants. Et il faut qu'on soit des enfants pour revenir dans la présence du Seigneur et dire, mais Seigneur, gloire à ton nom, tout ce que tu as fait, mais c'est toi dont nous avons besoin. Amen. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager une parole. Et je pense que ça va, le Seigneur va beaucoup nous encourager parce que ça m'encourage beaucoup. On va prendre merci Seigneur pour ta grâce. On va prendre Matthieu 13. C'est un passage qu'on connaît, je pense, qu'on a dû lire plusieurs fois. Donc Matthieu 13, si quelqu'un peut peut-être m'aider pour la lecture. Un frère, si, ouais, s'il te plaît. Merci. Matthieu 13, à partir du verset 1. Verset 1. Matthieu 13, à partir du verset 1. Et Joshua, étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer. Et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui. De sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, voici que celui qui sème sortit pour semer. Il sème et il tomba de la semence en effet à côté du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement parce que la terre n'a pas de profondeur. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et sécha, parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Amen. Et c'est un passage qu'on, je pense, qu'on a l'habitude de lire. Et le Seigneur va prendre cette parabole en fait pour enseigner en fait les frères et sœurs, et il va prendre beaucoup en fait d'exemples de la vie pour enseigner les bien-aimés, et j'aime beaucoup cela parce que ça montre toute la largeur et la profondeur que la parole du Seigneur a en fait. C'est-à-dire que le Seigneur prend des exemples terrestres pour nous emmener à comprendre des réalités qui sont spirituelles. Et cette parabole-là parle de réalités spirituelles, en fait. Et le Seigneur prend des exemples simples. Une personne qui va aller semer, vous voyez ? Et c'est ça la beauté et l'agilité du Seigneur. Il est capable de prendre différents aspects de la vie pour nous enseigner. Il n'est pas limité. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui m'encourage. C'est pour ça que j'aime beaucoup la parole du Seigneur, parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout. Même, on peut se dire, non, il y a des choses, c'est pas dedans. Mais si, c'est dedans. Parce que quand on le regarde avec le regard du Seigneur, avec l'esprit du Seigneur, eh ben, on comprend les réalités qu'il y a derrière. Et on va lire l'explication de cette parabole. Et les disciples s'étant approchés lui dirent, pourquoi leur tu parles en parabole? Et répondant, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole,
parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Et ainsi s'accomplit pour eux la prophétie de Yeshaya qui dit « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez jamais, et en regardant, vous regarderez et vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et de leurs oreilles, ils ont entendu avec difficulté. Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais bénis sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc entendez la parabole Amen. De celui Amen. Qui sème. Juste deux minutes. En fait, c'est aussi ce passage-là aussi intéressant parce qu'il nous parle aussi à nous. Et je vais juste ouvrir une petite parenthèse, mais vous savez, on a reçu ce message de l'Évangile, ce message qui nous pousse en fait à revenir à l'Évangile, qui nous pousse à revenir à la simplicité de l'Évangile. Et c'est une grâce en fait, parce que beaucoup auraient aimé entendre ces réalités-là. Beaucoup auraient aimé voir ce que nous voyons et ils ne le voient pas. Et ils ne l'ont pas vu. Et c'est vraiment une grâce d'être libre dans le Seigneur. C'est une grâce d'avoir la liberté de pouvoir en fait vivre le Seigneur librement. Et pour ma part, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 16 ans. Et j'ai eu la grâce de pouvoir être enseigné avec une parole véritable, qui n'est pas tronquée, qui n'est pas déformée. Et le Seigneur m'a permis de grandir dans cette liberté. Et quand j'entends le témoignage des frères et sœurs qui ont été dépouillés, blessés dans les assemblées, ça me fait vraiment mal. Et je me rends compte aussi que le Seigneur m'a épargné de beaucoup de choses en fait. Et c'est là aussi que je me dis, mais je suis vraiment reconnaissant Seigneur. Je suis vraiment reconnaissant Seigneur d'avoir eu la vérité simplement et de ne pas avoir été dépouillé par les humains. Et je bénis le Seigneur pour cela et je réalise aussi la grâce que nous avons d'être libres. De pouvoir juste être là et on adore le Seigneur tous ensemble, sans superstar au milieu de nous, sans super pasteur au-dessus de nous, sans être contrôlé par qui que ce soit, sans être dépouillé par qui que ce soit. C'est une grâce, parce que c'est quelque chose qui n'est pas commun en fait. En réalité, ce n'est pas commun. Ce n'est plus commun. Et c'est un constat que je pense beaucoup ont fait. Et c'est une grâce. Nous, on est libres. Beaucoup ne le sont pas. Nous, on a on a des livres gratuitement, des bibles gratuitement. Beaucoup ne l'ont pas, en fait. Et pour nous, c'est une grâce, mais c'est aussi, on doit aussi être à la hauteur de cela. Et c'est quelque chose que le Seigneur me permet de me rendre compte de plus en plus, c'est qu'il faut être à la hauteur de cela, parce que beaucoup n'ont pas cette liberté. Beaucoup n'ont pas la facilité d'avoir accès à la parole. Beaucoup n'ont pas aussi la facilité d'avoir accès à des véritables serviteurs et servantes du Seigneur sans être dépouillés. Et nous l'avons et nous devons être aussi à la hauteur de cela. Et dans ce passage-là, ce qui me touche et ce qui me frappe beaucoup, c'est que le Seigneur va dire, mais c'est au verset 15, il dit car le cœur de ce peuple s'est engraissé et de leurs oreilles ils ont entendu avec difficulté et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leur cœur. Et en fait, dans ce passage, on dit mais ils ont fermé les yeux. Ils ont fermé les oreilles.
Et je prie vraiment que le Seigneur nous aide à ne pas être de cela en fait. Nous avons la vérité, nous avons la liberté. Ne fermons pas nos oreilles. Ne fermons pas les yeux. Vous voyez? Parce que là, dans ce passage, on nous dit bien, mais qu'ils ferment, parce qu'ils avaient peur de voir. Vous voyez? Et vraiment, saisissons ce temps dans lequel nous sommes. Saisissons ce moment dans lequel nous sommes, parce que malheureusement, rien n'est acquis. Rien n'est acquis, tout peut changer. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans l'avenir. Je ne sais pas où je serai dans 3 à 4 ans. J'espère et je prie vraiment entre les mains du Seigneur toujours, mais où je ne sais pas exactement. Mais une chose est sûre, avec le Seigneur. Amen. Donc, on ferme la parenthèse. Et on peut prendre à partir du verset 20. Et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie. Tu peux prendre le verset 18, s'il te plaît. Vous donc entendez la parabole de celui qui sème. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il ne tient qu'un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, immédiatement il trébuche. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile. Mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il produit en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Amen. Et ici, en fait, le Seigneur va donner l'explication. Et en fait, on va voir que nous entendons la parole. Amen. La parole que nous entendons, elle est censée être semée en nous et produire la vie. C'est la finalité. Celui qui reçoit le Seigneur, qui entend la parole, il doit avoir la vie. Amen. Et cette vie-là doit le conduire jusque dans la vie éternelle. Amen. Et ça c'est le but de la parole. Amen. L'évangile est venu pour semer quelque chose dans le cœur de l'homme afin qu'il aille vers le Seigneur. Amen. Et qu'il soit sauvé, tout simplement. Amen. Et ça, c'est la finalité. Et cette parole-là, qui est une semence, elle va produire en nous des choses. Amen. Cette parole produit naturellement la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit l'évangile, une parole pure, une parole véritable, il va produire la vie sans le vouloir, sans même faire beaucoup de choses. Il va avoir envie de prier. Il va avoir envie d'adorer. Il va avoir envie d'être en communion avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est les effets de la parole. Il va avoir envie de s'éloigner du péché. Et ce sont les effets de la parole. La parole vient. Elle vient dans le cœur des hommes et elle produit cela. Et bien sûr, ça va produire aussi d'autres choses, parce que quand on a la vie, on va la communiquer, forcément. Amen. On va la communiquer. Quand on a reçu le Seigneur, et je pense beaucoup l'ont reçu, souvenez-vous, au début c'était waouh, c'était tout nouveau, on était tout feu, tout flamme, on avait envie de crier au monde entier, on avait envie de parler au monde entier, on ne pouvait plus s'arrêter de parler du Seigneur. Vous voyez? Et c'est la vie, vous voyez. Quand on reçoit la semence en nous, ça produit cela. Et cette semence-là est appelée en fait à demeurer et à croître. Amen. Et donc nous sommes appelés, nous tous, à demeurer dans le Seigneur et à croître. Et ça, c'est vraiment magnifique. Okay, donc ça, c'est le but
de la parole qui a été semée, c'est celui-là. Et on va voir que le Seigneur va prendre quelques exemples. Et quand il va parler de celui au verset 19, donc, lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long de la voie. Et donc ça, c'est le premier terrain, là où la semence a été semée le long de la voie. Et ça symbolise en fait tout simplement un cœur. Un terrain symbolise un cœur, d'accord ? Un terrain symbolise un cœur. Et on voit que le premier, ben, le long de la voie, ben, ça a été semé, ben, il a entendu la parole, mais ben, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? On nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous êtes là ? Amen. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. Donc la parole est arrachée. Parce que cette personne-là, ben, c'est semé sur la voie, ça rentre pas, c'est juste là. Et facilement, le mauvais vient, et puis il arrache la parole. Donc, ça ne produit pas la vie, parce que la parole, elle a été arrachée. OK ? Et celui, verset 20, et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit immédiatement avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il ne tient qu'un temps. Dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il est immédiatement scandalisé. D'accord, là, deuxième terrain, c'est un terrain qui est pierreux. Donc c'est pas un terrain qui est vierge, c'est un terrain qui est pierreux. Et parce que ce terrain-là est pierreux, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas entendre la parole, il va l'entendre. Ça va produire quelque chose en lui, mais il y a quelque chose qui va bloquer la croissance, qui va bloquer le développement de cette parole-là. C'est les pierres. Et ces pierres-là, ça symbolise beaucoup de choses. D'accord ? Et on va voir que cette personne-là, ben, ça va, la parole va croître parce que la parole, une fois semée quelque part, elle ne peut que produire la vie. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Ben, à cause des pierres, ben, ça va sécher. Une fois qu'il va y avoir une tribulation, ben, ça va sécher. Vous voyez, ça devient sec et c'est fini. Je dis, mais comment faire ? Et quand je lisais cela, je me dis, mais Seigneur, c'est terrible, c'est terrible. Une persécution à cause de la parole est immédiatement scandalisée. Une seule, hein. On n'a pas dit plusieurs, une seule, immédiatement scandalisée. Troisième terrain, troisième cœur, et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile. C'est-à-dire que là, c'est un autre cœur qui entend la parole, mais la séduction de la vie, les soucis de la vie étouffent cette parole et la rendent stérile. Et donc, cette personne, ben, forcément, ne peut être délivrée, ne peut se retourner vers le Seigneur. D'accord ? Et là, dernier terrain, eh ben, on nous parle de cette bonne terre qui, ben, voilà, qui entend la parole et la comprend et qui produit ben, du fruit, tout simplement. D'accord ? Et ce que le Seigneur m'a enseigné, c'est que souvent on se dit, ben, voilà, la parabole des quatre terrains, c'est... Voilà, c'est des cœurs, etc. Bon, ben, c'est définitif. Et en fait, pas du tout. Parce que mon cœur, ton cœur, il n'est pas fini, il n'est pas définitif. Et la terre que nous voyons, cette terre-là, elle est amenée à être ensemencée ben, chaque année ou plusieurs années d'affilée, tous les 3 ans, tous les 6 ans. Donc forcément, le semeur qui est parti semer, il ne sème pas qu'une seule fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un cycle. Et ici, on voit que ce sont des cycles. Et vous et moi, nous sommes amenés, en fait, à demeurer dans chaque cycle en tant qu'une bonne terre. Vous voyez ? Et là, ça devient très, très compliqué. Amen ? Ça devient très compliqué. Parce que on se dit, ben moi,
Voilà, on est en 2024, je suis une bonne terre. Merci Seigneur, je reçois la parole avec joie. Oui, mais quand, à la prochaine saison, comment ça va être? Comment je serai à la prochaine saison? Parce que quand j'ai reçu la parole du Seigneur, au début, ah ben, oui, j'étais une bonne terre. Hein. J'avais 16 ans, oui, j'étais une bonne terre, j'avais des blessures, le Seigneur est venu, wow, et il a tout nettoyé, il a tout corrigé, il a tout enlevé. Et puis il m'a dit, ben, j'ai reçu la parole avec joie, et puis la parole a produit la vie. C'est très bien. Et l'année suivante. Parce que on voit ici que il y avait des terrains avec des pierres. Il y avait des terrains avec des épines. Parce que un terrain, c'est amené à vivre. Ça a amené à produire quelque chose. Nos cœurs sont amenés à produire quelque chose. Si dans ton cœur, on met les pierres, quand la parole va venir, ben elle ne pourra prendre place. Si dans ton cœur, il y a les épines, la parole ne pourra prendre place aussi. Mais ça, c'est chaque année, c'est chaque saison, chaque cycle avec le Seigneur, où on doit se laisser renouveler, se laisser travailler par le Seigneur pour pouvoir être une bonne terre, tout simplement. Amen. Et ça, c'est important, parce que la parole nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Parce qu'on peut commencer bien et mal finir. Vous voyez? On peut commencer très bien et mal finir. Et ici, en fait, c'est vraiment le Seigneur qui nous interpelle sur nos cœurs. Nos cœurs. Tout simplement, le cœur de l'homme. Parce que on a des blessures. Tu peux entendre la parole avec joie, mais demain, tu peux être blessé. Demain, tu peux être blessé par la parole d'un homme, d'une femme, de qui que ce soit, tu peux être blessé. Tu peux être blessé par une situation de la vie. Tu peux être blessé par une situation de la vie. Tu peux être blessé. Et là, c'est une pierre qu'on pose sur ton cœur. Vous voyez? Et là, on s'est dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Il y a une pierre maintenant sur le terrain, sur le cœur que je suis. Il y a une blessure. Vous voyez? Et comment faire? On avait bien commencé. Une bonne terre vierge, sans épines, sans problème, et on arrive, une pierre est posée. Waouh! Comment faire? Et là, ben, la pierre, c'est, voilà, on a dit, hein, les blessures, des blessures qu'on peut subir, des humiliations qu'on peut subir. Ok? Mais comment faire? Et là, quelqu'un vient encore, deuxième pierre, troisième pierre, quatrième pierre, ça s'accumule. Et là, le Seigneur envoie une parole pour nous délivrer. Le Seigneur envoie une parole pour nous restaurer. Mais on ne peut plus, parce qu'il y a des pierres, parce qu'il y a des blessures. Et parce qu'il y a des blessures, on ne peut plus se laisser transformer par la parole. Et on se dit, mais c'est pas la parole qui a un problème, c'est le cœur de l'homme. C'est pas les frères et sœurs, non, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Vous voyez? Et c'est important de voir aussi cet aspect des choses. Souvent, on se dit, mais oh, y a des problèmes, mais c'est la faute des autres. Non, mais ton cœur, toi, comment est ton cœur? Parce que le Seigneur veut nous délivrer, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Parce que sa parole est assez puissante pour nous libérer. Cette parole est assez forte pour nous délivrer, pour nous restaurer, pour faire de nous des êtres nouveaux, selon le Seigneur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Et je me suis beaucoup posé la question. Mais qu'est-ce qui bloque, Seigneur? C'est quoi notre problème, Seigneur? C'est quoi mon problème, Seigneur? Quand la parole vient, il y a des pierres. Quand la parole vient, il y a des pierres. On n'a pas pardonné à quelqu'un. On n'a pas pardonné à quelqu'un. Et on laisse une pierre. On dit, mais c'est pas grave. Ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur. On laisse une pierre. On a blessé certains frères, certaines sœurs, et on n'a pas demandé pardon. Et on vit comme ça. Et je vous assure, beaucoup de frères et sœurs vivent comme ça. Parce qu'ils pensent que c'est sans conséquence.
ce n'est pas sans conséquence. Parce que si on a l'amour pour son prochain, on doit veiller aussi sur son prochain. Et si mon prochain est blessé, mais je dois être aussi concerné. Vous voyez ? Et beaucoup oublient cela en fait. Et ils laissent des pierres sur le terrain des autres. Vous voyez ? Et c'est important de se dire, mais je marche, mais qu'est-ce qui s'est... Je m'arrête un peu, Seigneur, je suis quel terrain là ? Parce que je sens que la parole vient en moi, mais elle ne produit plus les effets escomptés. Elle ne produit plus les effets attendus. Cette parole qui a été semée par le Seigneur, qui est censée me donner la vie, je la reçois, mais elle ne produit plus les effets escomptés. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit chez beaucoup de chrétiens. C'est ce qu'on voit. Ils reçoivent, ils entendent une parole qui ne les change pas. Pourtant, la parole vient du Seigneur. Pourtant, la semence vient du Seigneur. Vous vous rendez compte ? Mais cette parole ne les change pas parce qu'il y a des pierres. Et parce que le travail d'ôter la pierre, c'est à toi de prendre soin de ton terrain. Oui, il y a le Seigneur, c'est vrai, mais il y a toi. Parce que quand tu peux pardonner que tu ne le fais pas, c'est toi. Vous voyez ? Quand tu peux t'humilier et que tu ne le fais pas, c'est toi. Vous voyez ? Et on se dit, mais non, mais Seigneur, envoie ce réveil. Oh, que ta parole me change, que mon cœur change. Oui, mais tu ne veux pas enlever les pierres que tu as laissées sur le terrain. Et c'est là que ça bloque. Et c'est là, et je vous assure, mais on voit des frères et sœurs, on parle, on échange un peu. Tu te dis, mais Seigneur, mais là, la personne, elle ne peut pas avancer comme ça parce que son cœur est rempli de cailloux. Nous qui sommes les enfants du Seigneur, remplis, mais lourd de blessures, lourd de rancune, lourd d'amertume, lourd de beaucoup de choses. Et avec tout ça, on s'est dit, mais Seigneur, on va te servir, on va faire des choses. Et on va... Mais non, je suis désolé, non. Mais non, parce qu'on ne peut pas faire avec des pierres comme ça. L'objectif, c'est de produire la vie, mais avec les pierres, on ne peut pas. Donc il faut se débarrasser de tout ça. Il faut se débarrasser de tout ça. Et ce n'est pas chose facile. Mais c'est possible. Parce que nous avons le Seigneur avec nous. Amen. Et beaucoup sont dans cet état-là. Et je vous assure, si on est là, on avance dans le Seigneur, on se laisse plus changer, on sent que la parole ne nous change plus. On devient des habitués, on en a l'habitude, oui, le frère il va parler, on sait déjà, voilà, oui, la repentance, oui, l'amour, oui, on sait déjà, oui, ça fait des années. Tout ça là, c'est des pierres. Tout ça, c'est des pierres qui sont posées. Il faut enlever, il faut être renouvelé. Amen. Vous voyez ? Tout ça, c'est des pierres. Et on voit aussi l'autre terrain qui avait des épines. Des épines. Et le plus violent là, dans ce terrain, c'est que, en fait, merci Seigneur. Regardez, le Seigneur vient de m'interpeller sur quelque chose. Wow. Et verset 20. Regardez verset 20. Et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit immédiatement avec joie. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec joie. Donc on entend la parole, on a la joie, on est heureux, on est bien, on est waouh, merci Seigneur. Mais quand on s'assoit et on se rend compte que ça ne produit rien, vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'on entend la parole, on a la joie. On a la joie, oh, merci Seigneur, tu nous donnes une parole, c'est un vent nouveau, c'est une saison nouvelle, merci Seigneur, oui, mais ça nous donne la joie. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il n'a pas de racine en lui-même. Il n'y a pas de racine parce qu'il y a des pierres. Et le Seigneur m'interpelle là-dessus. Mais tu reviens là-dessus. Pas de racine en lui-même. Et cette parole-là,
C'est pour un temps. Juste un petit moment. On est dans la joie, un petit moment. On a reçu la parole, ça nous a fait quelque chose. Ouais, on était dans la joie, mais un petit moment. Mais il n'y a pas de racine. Et la racine, c'est la profondeur, tout simplement. La profondeur. Si on veut durer longtemps, eh bien, il faut être enraciné dans le Seigneur. Amen. Si on veut tenir jusqu'au bout, il faut être enraciné dans le Seigneur. Mais si cette parole qui est semée ne descend pas, n'est pas enracinée, ben, il va y arriver. Parce qu'on est persécuté. Amen. On est sans cesse persécuté. On est sans cesse... Ben, on est testé par le Seigneur. Le Seigneur met en face de nous des épreuves. Mais comment on réagit? Ben, on ne tient pas. Et pourquoi on ne tient pas? Ben, parce que la parole qu'on a reçue n'a pas produit les effets escomptés. Elle ne peut pas tenir la parole. Et on ne peut pas tenir parce que cette parole n'est pas en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des pierres qui sont là, elles ont empêché la parole de s'enraciner en nous. Et un disciple doit être fondé dans cette parole. Il doit être fondé dans le Seigneur. Amen. Et on n'est pas fondé par en passant 6 heures, 7 heures de prière. On est fondé en appliquant la parole. Amen. Amen. On est fondé en pratiquant la parole. Amen. Amen. Si on ne pratique pas la parole, on ne va pas être fondé. On peut connaître tous les versets, on peut passer 7 heures dans la prière, tout ce qu'on veut, mais si on ne la pratique pas, ça veut dire qu'on n'est pas enraciné. Un véritable enfant du Seigneur doit pratiquer la parole, il doit la pratiquer. C'est en lui. On est là, on a fait preuve d'orgueil, faut que je m'humilie. Vous voyez ? L'esprit en nous-mêmes nous impose de dire, mais non, et là, il faut t'humilier. Vous savez? Et des fois, il m'est arrivé de faire des erreurs, et je m'en rendais pas compte, et le Seigneur, il m'a interpellé. Et j'étais chez moi, et je revoyais des scènes. Ah, je dis, mais ça, c'est pas bien. Et le Seigneur me dit, mais ça, c'est pas bien. Regarde ça. Ça, c'est pas correct. Regarde ça. Regarde ça. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais il faut t'humilier. Il faut appliquer la parole. Il faut demander pardon. Ah, tu dis, ah ouais, il faut demander pardon. Ah oui, il faut demander pardon. Parce que j'ai mal agi, Seigneur. Oui, c'est vrai. Vous voyez? C'est important. Le Seigneur va nous interpeller. Il nous interpelle. Hein. Celui qui dit que le Seigneur ne l'interpelle pas, ah non, 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 là, il ment. Là, il ment. Le Seigneur, il nous interpelle. Chaque fois que tu as fait une erreur, le Seigneur nous interpelle. Il t'interpelle. Chaque fois que tu fais une erreur, il t'interpelle. Il va venir tout doucement t'interpeller. Quand ton oreille sera bien disposée à entendre, il va venir t'interpeller. Des fois, on est dans le feu de l'action, on n'écoute pas. Il vient, le Seigneur, il dit, mais là, tu as fait une erreur. Tout doucement. Mais comme on est dans le, hein, la vie, on avance, on avance, on avance. Mais quand tu t'assois, tu prends 2 minutes, il revient. Là, tu as fait une erreur. Et là, c'est plus le Seigneur, hein, c'est toi. C'est toi, c'est moi. On doit appliquer la parole que nous avons reçue. Vous voyez? Et c'est important. Sinon, on sera comme le dit Jacques, hein, des Yaakov, hein, des auditeurs oublieux. Alors on entend la parole, ça rentre et ça ressort. Mais ce n'est pas ainsi qu'on est enraciné dans le Seigneur. Amen. Et c'est très important. Il faut être enraciné. Enraciner. Enraciner, c'est pratiquer la parole. On est caché dans le Seigneur et on pratique la parole, tout simplement. Amen. C'est très très important. Parce que ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui sont enracinés. Ceux qui seront enlevés par le Seigneur, c'est ceux qui sont enracinés. Parce que ceux qui ne sont pas enracinés vont être balayés, tout simplement. Balayés. Parce que dans les temps dans lesquels on est, c'est des temps très compliqués, je pense que vous le voyez. Vous le voyez. Et voilà, verset 22. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile. Et ça aussi, ça fait peur. Ça fait peur parce que dans notre génération, à notre époque là, c'est très facile d'être séduit. C'est très facile d'être appâté par les séductions de cette vie, les richesses. Vous voyez, c'est très facile. On peut courir après l'argent, on peut courir après les succès, même dans l'assemblée.
Parce que des fois, on pense que c'est seulement dans le monde, mais non, non, non. Même dans l'assemblée, on peut courir après à des succès. On peut courir après d'être reconnu, d'être mis en avant. Et c'est un piège. C'est un piège. On peut courir, hein. Mais ça n'apporte rien. Je vous assure, prêcher, chanter, jouer d'un instrument, ça n'a pas fait de moi une meilleure personne. Je tiens à le dire mais ouvertement, ça n'a pas fait de moi une meilleure personne, voilà, être plus proche du Seigneur, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas prêcher qui fera de toi quelqu'un de proche du Seigneur. C'est prêcher, ça ne va pas changer la prédication, hein, que toi tu prêches, ça ne va pas changer ton cœur. Non, tu peux prêcher pendant 10 ans et rester toujours la même personne. Et la parole vient, et ben cailloux, il y a des cailloux. On peut chanter pendant des années, et dans le cœur, il y a des épines, il y a des cailloux, il y a toutes sortes de choses, et ça ne produit plus la vie. Mais on chante, hein. Mais on ne se laisse plus travailler par le Seigneur, on ne se laisse plus changer par le Seigneur. Donc la prédication, l'élévation selon les hommes, ne change pas l'homme. Le fait d'avoir un service quelconque ne te changera pas, ne fera pas de toi quelqu'un de meilleur. Et je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de nous en fait? Ben en fait, tout simplement qu'on l'adore. Qu'on soit comme des enfants. Parce que devant le Seigneur, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de... On est tous des enfants. Amen. Et il faut qu'on demeure comme des enfants. Donc, on peut courir après beaucoup de choses. Et je vous assure, hein, dans notre siècle, on court. On court. On court. Beaucoup courent. Beaucoup courent. Oui, c'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel? Tu cours. Parce que c'est une richesse. Ouais, c'est une richesse. Ça te paraît. Ça, devant les gens, tu vas paraître quelqu'un de riche dans le Seigneur. Ben oui. On court après des responsabilités. On court après une reconnaissance. On court après l'amour des autres. On court, on court, on court, on court. Et le Seigneur, il nous regarde courir. Vous voyez? Beaucoup, beaucoup courent. Regardez, hein, regardez, beaucoup courent. Beaucoup courent, mais ils ne courent pas vers le Seigneur, ils courent après les richesses. Ils courent après être reconnus, après être quelqu'un. Et être quelqu'un dans le Seigneur, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que, regardez, à qui appartient les dons spirituels? Au Seigneur. Quand on sera au ciel, je l'espère, qui va prophétiser là-haut? Quelqu'un va chasser un démon là-haut? Non. Ben non. En fait, ça appartient au Seigneur, en fait. Ça ne nous appartient pas. Ça veut dire que le Seigneur peut venir, il prend et il part avec. Mais qu'est-ce que tu vas devenir maintenant? Si on s'attache à des dons, à des fonctions, à des postes, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Une fois que le Seigneur va dire, mais, ben, allez, stop un peu. Et beaucoup se définissent par cela. Beaucoup se définissent par cela. Beaucoup se définissent parce qu'ils ont un don. Ils sont quelqu'un dans le Seigneur parce qu'ils ont un don. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Nous sommes d'abord des enfants du Seigneur. Amen. Nous sommes d'abord des enfants d'Élohim. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Amen. Parce que ça vient pas. C'est pas un humain qui a fait de toi un enfant d'Élohim. Amen. Ce n'est pas parce que tu t'es mis à genoux devant quelqu'un que tu es devenu un enfant d'Élohim. Non, pas du tout. C'est le Seigneur lui-même, il a touché ton cœur et tu es devenu enfant d'Élohim. Amen. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Amen. Demain, quelqu'un peut, même si on vient dire, oh, tu n'es plus enfant d'Élohim. Bah non. Vous voyez? Non. Oh non, tu n'es plus enfant d'Élohim. Personne ne peut te dire que tu n'es plus enfant d'Élohim. Ben non. Ben non, c'est le Seigneur lui-même qui atteste dans ton cœur que tu es un enfant d'Élohim. Amen. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas t'arracher. Et ça, quand tu vas aller au ciel, tu vas dire, je suis un enfant d'Élohim. Et tout le monde va dire, ben effectivement, oui. Amen. C'est important. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas nous être ôté. Mais beaucoup courent après des choses qui leur seront ôtées. Un service pastoral, prophétique, je ne sais pas quoi.
Mais au final, on va le rendre. On va dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, tu m'as sauvé. Merci, tu m'as fait grâce. Ben voilà, le service que tu m'as donné, ben voilà. Je le rends. Voilà, au tribunal du Mashiach. Ben voilà, Seigneur, je te le rends. Voilà. Je vais rendre des comptes par rapport à ce que tu m'as prêté. Voilà, je te rends tout, Seigneur. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Et beaucoup courent après ça. Des choses qu'ils vont rendre, qu'on peut leur enlever. Parce que demain, on peut te dire, bah, assieds-toi, tu ne prêches plus. Tu vas faire quoi? Tu restes là, tu fais plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important, en fait, de comprendre qu'on est d'abord des enfants d'Élohim. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Ça, personne ne peut nous l'arracher. Souviens-toi de quand tu priais dans ta chambre et que la présence du Seigneur était là. Qui peut t'enlever ça? Personne ne peut t'enlever ça. Ça t'appartient, ça. Ça m'appartient, ça. Vous voyez? L'amour du Seigneur, ça nous appartient. C'est venu dans nos cœurs et ça nous appartient. Personne ne peut venir et nous dire, mais le Seigneur ne t'aime pas. Vous voyez? Et donc, on doit courir après cela, après l'amour du Seigneur, après être dans la présence du Seigneur. Et non après les richesses de ce monde. Et il y a aussi autre chose, c'est les soucis. Les soucis. Ça aussi, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis. Il y a toutes sortes de soucis. Financiers, la santé, la famille, toutes sortes de soucis. Toutes sortes. Et quand la parole du Seigneur est semée, on a tellement de soucis, ça étouffe la parole. Ça étouffe. Et donc, ce qui est fort dans ce passage, c'est qu'on nous dit, ça la rend stérile. Donc les soucis, les séductions, ben, quand la parole vient, elle est semée dans nos cœurs, et il faut savoir que cette parole est semée pour un but. La parole du Seigneur n'est pas semée juste pour, on sème comme ça. Non, il y a un but derrière, c'est le salut. Mais les soucis étouffent cette parole. Et vous allez voir, beaucoup de frères et sœurs soucieux, des problèmes de la vie. Je ne dis pas qu'il faut complètement les ignorer et faire comme si on n'avait pas de problème. Non, on a tous des problèmes, mais quand on vient dans la présence du Seigneur, on vient décharger. Dis, Seigneur, je pose tout. Venez à moi, vous tous y êtes fatigués et chargés. Amen. Et je vous donnerai du... Voilà, tout simplement. Et c'est important de se décharger. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as beaucoup, beaucoup de soucis, décharge-toi dans la présence du Seigneur. Il y a quelqu'un qui est... Il y a une oreille qui est là pour t'écouter. Il y a une oreille qui est là pour entendre ce que tu as à dire. Et je vous assure, on a beaucoup de soucis. Moi le premier. Et je viens... Des fois, c'est trop. Je viens, je dis, Seigneur, c'est trop. Voilà. Je décharge tout. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tellement de soucis que tu penses soucis. Tu penses à ton problème, tu manges problème, tu dors, tu n'arrives pas à dormir, tu es dans ton problème. Ah, ça parle à quelqu'un. Hein? Ben oui. On se dit, mais Seigneur, mais... Qu'est-ce que je vais faire avec ce problème au-dessus de moi? J'arrive plus. Je suis là, je peux plus. Je prie, mais je pense à mon problème. Je prie, le problème il revient. Je chasse, je me dis, oh, Seigneur, continue, le problème revient. Je mange, ça revient. J'essaye de dormir, je dors pas. Je me réveille, je pense au problème. Et je me dis, mais Seigneur, que... Et on a besoin de venir dans la présence du Seigneur et de dire, vous savez, de dire simplement, Seigneur, j'ai un problème. Voilà. Seigneur, voici mon problème. Et des fois, on vient dans la présence du Seigneur, on dit tout autre chose, mais on ne parle pas du problème qu'on a. On parle de plein d'autres choses, hein, mais pas du problème qu'on a. Or que ce problème-là nous touche, et le Seigneur le sait. Le Seigneur sait que ce problème-là te touche. Il sait que ce problème-là te perturbe. Mais des fois, il faut juste venir et dire, Seigneur, voici mon problème. Ça me pèse. Vous voyez? Et c'est important. Il faut décharger son cœur dans la présence du Seigneur. Décharger, se décharger, totalement. Et des fois, il peut arriver que, avec la vie, le travail, on a beaucoup de pression. Et cette pression-là, le Seigneur m'a appris, en fait, tout simplement, on dépose tout au pied du Seigneur et après, on y va. Vous voyez? On oublie. Seigneur, je suis devant ta présence. Le seul le problème, peu importe qui il est, quoi, peu importe ce que c'est, ça va attendre. Ça va attendre. Seigneur, c'est toi qui passes en premier. Amen.
C'est toi, Seigneur, ma priorité. C'est vrai, j'ai un problème, oui. Mais Seigneur, c'est toi ma priorité. Qu'est-ce que toi, tu dis? Vous voyez? Et il y a des problèmes qu'on ne peut affronter qu'avec le Seigneur. Il y a des problèmes qui, humainement parlant, nous paraissent insurmontables. Mais avec le Seigneur, on peut les surmonter. Amen. Et voilà, il y a des problèmes aussi qui durent longtemps. Donc on a besoin du Seigneur pour les surmonter. Amen. On a besoin du Seigneur. Et c'est très très important. Parce que ça, quand la parole va venir, il faut que nos cœurs soient libres. Il faut que ton cœur soit léger. Il faut que ton cœur soit, voilà, disposé, disponible pour le Seigneur. Amen. Disponible. Et vous savez, les occupations font qu'on est focalisé sur les choses de la vie. Et le Seigneur veut qu'on soit focalisé sur lui, tout simplement. Vous imaginez, on a tous des problèmes et on vient dire au Seigneur, moi mon problème c'est ça, regarde mon problème, regarde ceci, regarde cela, regarde ce qui m'arrive. Et tout le monde fait ça à longueur de journée. Imaginez-vous, dans le monde entier, tout le monde fait ça. Regarde Seigneur, mon problème, regarde, il y a ça, un tel est malade, un tel est ceci, un tel est cela. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais à quel moment on écoute? Vous voyez? À quel moment on écoute? À quel moment on écoute ce que le Seigneur veut nous dire? On vient avec des supplications, des plaintes. À quel moment on écoute? Et on a besoin d'être disposé pour écouter. Oui, peu importe le souci, peu importe ce que tu as, mais qu'est-ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui? Et ça, c'est très très important. Parce que il arrivera des jours où tu peux être blessé. Il arrivera des jours où tu peux avoir des soucis. Il arrivera des jours où il y aura des périodes qui sont difficiles. Mais comment est-ce que tu vas réagir? Comment est-ce que cette parole va prendre place en nous, en toi, en moi? La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il y aura des jours où il y a quelqu'un qui va te blesser. Il y aura des jours où il y a un souci qui va venir. Comment est-ce que tu vas sortir de là? Comment est-ce que je vais sortir de là? Parce qu'une chose est sûre, la parole est semée pour un but. On entend la parole, c'est pas parce que pour nous faire du bien simplement, non. Il y a un but, c'est le salut. Et le Seigneur veut nous sauver. Mais pour cela, il faut que cette parole s'enracine, qu'elle prenne place en nous et qu'elle prenne vie et qu'elle produise la vie. Amen. Et ça, c'est important. D'être un cœur disposé pour le Seigneur. Et on nous dit le dernier au verset 23, le dernier terrain, mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc comprendre aussi, c'est mettre en pratique. Hein. Amen. Comprendre. On l'entend et on comprend cette parole. Ça veut dire qu'elle a pris place en nous. Amen. C'est très important. La parole que nous écoutons, on ne doit pas juste on l'écoute et puis on rentre à la maison et puis c'est fini et puis voilà, on oublie le lendemain. Non, non, non. On doit garder cette parole parce que c'est précieux. Amen. C'est précieux. Et ces paroles-là doivent nous donner la vie. Elles doivent nous procurer la vie. Et c'est le but du Seigneur. Le but du Seigneur, c'est que tu aies la vie et que tu le suives jusqu'à son retour. Jusqu'à la fin de ton parcours. Amen. Et on doit être disposé à cela. On doit faire attention à cela. On peut bien commencer, mais comment est-ce qu'on va finir? C'est important. Ah oui, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous voyez? On peut bien commencer, mais comment est-ce qu'on va finir? Et c'est une question que je me pose. Vous voyez, Seigneur, c'est bien, on commence bien, mais comment est-ce qu'on va finir, Seigneur? Il faut que je fasse attention. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui me motive là? Qu'est-ce qui me motive? Seigneur, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me pousse là à faire ces choses-là? Qu'est-ce qui me pousse?
à courir là. Je cours après quoi? C'est-à-dire, je cours, mais vers quoi là? Est-ce que je cours toujours vers toi? Vous voyez? Toutes ces questions-là. Est-ce que je cours toujours vers toi, Seigneur? Parce que je cours, ça fait des années que je cours, mais finalement, je cours où? Est-ce que je cours comme à l'aventure? Comme brasse en l'air? Comme nous dit Paul? Vous voyez? Et il faut se remettre en question. Saison après saison, année après année, on se remet en question. Oui, c'est vrai, on a bien commencé. Oui, c'était bien. Oui, la saison dernière, c'était très bien. Voilà, il y a eu beaucoup de fruits. On a produit beaucoup de fruits. Seigneur, merci pour ta grâce. Oui, mais cette saison, c'est comment? Vous voyez? Et on doit se laisser transformer. Et j'aimerais dire à quelqu'un que si aujourd'hui tu avais des pierres, des cailloux, des épines dans ton cœur, il n'est pas trop tard. Amen. Amen. Il n'est pas trop tard. Ça qui est glorieux, le Seigneur peut nous délivrer. Le Seigneur peut nous restaurer. Le Seigneur peut reconstruire. Amen. Et c'est ça qui est beau avec le Seigneur. On peut croire que ça y est, c'est fini. J'ai été blessé, j'ai été brisé, j'ai été complètement brisé par les hommes, j'ai été complètement brisé par les frères et sœurs. Comment je vais faire? Oh, j'ai été brisé par un pasteur, j'ai été brisé par un prophète, j'ai été brisé par telle personne, j'ai été brisé par mon père, j'ai été brisé par ma mère. Comment faire? Et on se dit, mais c'est impossible. Est-ce que je pourrais à nouveau être restauré? C'est possible, parce que le Seigneur restaure. Amen. C'est possible. Et le Seigneur veut nous restaurer. Le Seigneur veut nous reconstruire, nous rebâtir. Et c'est ça qui est beau avec le Seigneur. Tu peux être restauré. Tu peux être guéri par le Seigneur. Vous savez, il y a des blessures qui ne peuvent être, qui ne sont pas visibles. Il y a des blessures que personne ne peut voir si ce n'est le Seigneur. Vous voyez? On en voit seulement les effets. Mais on n'arrive pas à bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous voyez? Et il n'y a que le Seigneur qui peut guérir les cœurs. Il n'y a que le Seigneur. Et le Seigneur, je le crois, veut restaurer. Il veut restaurer les cœurs. Rebâtir quelque chose de nouveau. Enlever les pierres du passé. On les enlève. On enlève tout. Amen. Pour rebâtir quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Amen. Et je crois vraiment que c'est le temps pour la réunion. Je crois vraiment que le Seigneur veut faire ce travail de restauration dans les cœurs. Amen. Et c'est vraiment ce temps-là que le Seigneur suscite, ce temps de restauration. Restauration pour construire. Pour construire quelque chose qui va demeurer. Amen. Dans le temps. Jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut. Et c'est avec nous que le Seigneur veut le faire. Amen. Nous qui sommes des pierres vivantes, c'est avec nous. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un, encourager une personne qui souffre. Je voudrais encourager quelqu'un qui a souffert. Je voudrais encourager quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé, qui se dit qu'elle n'en peut plus, qui se dit que ce n'est plus possible. J'aimerais encourager une personne qui se dit que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, et lui dire, mais avec le Seigneur, il y a l'espoir. Avec le Seigneur, il y a la vie. Il y a même plus que l'espoir, il y a la vie. Amen. Et est-ce que vraiment, il y a des personnes qui se sont reconnues et qui se sentent vraiment blessées, brisées et qui ont besoin de la prière? Je vous invite à venir, à vous mettre debout. Et s'il y a des personnes qui se reconnaissent aussi en étant accablé par les soucis de la vie, et qui sentent que la parole est étouffée. Hein? Je vous invite aussi à vous mettre debout, on va prier. Le Seigneur, je le crois, va vous faire du bien. Seigneur Père, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton règne, merci pour ta vie, Seigneur. Seigneur Père, agis encore, Père. Seigneur, que tu restaures, Seigneur Père de gloire, Seigneur, cette sœur, que tu restaures, Seigneur, Père de gloire, Seigneur, toutes ces personnes qui se sont levées, Seigneur, toutes ces personnes qui se sont mises debout, Seigneur, ta main est puissante, Seigneur, pour nous restaurer, ta main est puissante, Seigneur, pour nous délivrer, Seigneur, Père de gloire, pour restaurer nos cœurs, Seigneur, restaure, Seigneur, le cœur, Seigneur, Père de gloire, de ton peuple, de ta fille, Seigneur, Père de gloire,
Seigneur, que tu puisses, Seigneur, Père de gloire, agir, Seigneur, restaurer ce cœur blessé, Seigneur, ce cœur brisé, Seigneur, au nom puissant de Yeshua, Seigneur, que ta main, Seigneur, Père de gloire, Seigneur, touche les cœurs, Papa. Que ta main, Seigneur, Père de gloire, touche les cœurs, Seigneur. Tu peux restaurer, Seigneur. Tu peux délivrer, Seigneur. Tu peux, Seigneur, Père, rebâtir, Seigneur. Reconstruire, Seigneur, une vie, Seigneur, Père de gloire. Tu donnes des cœurs nouveaux, Seigneur. Tu donnes, Seigneur, Père de gloire, des cœurs nouveaux, Seigneur. Tu donnes, Seigneur, des cœurs nouveaux, Seigneur. Tu donnes, Père, des cœurs nouveaux, Seigneur, Père de gloire. Des cœurs dépouillés, des cœurs dépouillés, des cœurs dépouillés. Alléluia, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu restaures, Seigneur, Père de gloire. Tu libères, Papa. Alléluia, Seigneur. Tu transformes les cœurs, Seigneur. Tu as cette parole qui donne la vie, Seigneur. Tu as cette parole qui restaure, Seigneur. Tu as cette parole, Seigneur, qui libère, Seigneur. Oh, Père de gloire, Seigneur, restaure un cœur, Seigneur, ce soir. Restaure un cœur, Seigneur, et que les cœurs se tournent vers toi, Adonai, Père. Restaure un cœur, Seigneur, ce soir, Seigneur, Père de gloire. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur, dans la vie, Seigneur, Père de tes enfants, Seigneur, Père de gloire, Seigneur. Oh, Père, oh, restaure, Adonai. Oh oui, tu viens délivrer, Père. Tu viens restaurer, Adonai. Oh oui, l'amour du Père guérit les blessures les plus profondes. L'amour du Père guérit les blessures les plus profondes. L'amour du Père guérit les cœurs, alléluia. L'amour du Père est là, il est là. L'amour du Père est là. Oh, l'amour du Père est là, Yeshua HaMashiach. L'amour du Père est là pour délivrer. L'amour du Père est là, oh oui. L'amour du Père est là. Oh oui, l'amour du Père est là. L'amour du Père est là pour guérir, pour restaurer. L'amour du Père est là pour toi. Oh oui, l'amour du Père est là. L'amour du Père est là. Il a entendu tes pleurs, il a entendu tes cris. Il a vu tes larmes, il a vu tes pleurs. L'amour du Père est là maintenant. L'amour du Père est là pour délivrer. L'amour du Père est là. Oh oui, l'amour du Père est là. Oh oui, l'amour du Père est là. Il est là pour restaurer. Il est là pour... Oh, il est là pour te restaurer, il est là pour toi, il est descendu pour toi ce soir, il est descendu pour toi, il est descendu pour te restaurer, il est descendu pour toi. Oh oui, le Père, oh oui, le Père est là, l'amour du Père guérit, l'amour du Père guérit, l'amour du Père guérit. L'amour du Père guérit, l'amour du Père restaure, l'amour du Père restaure, l'amour du Père restaure, l'amour du Père restaure. Yeshua HaMashiach, fais de nous des outres neuves, fais de nous des terres neuves, Yeshua. Fais de nous des vases d'honneur. Fais de nous des vases d'honneur, Yeshua. L'amour du Père est là, Yeshua. L'amour du Père est là. L'amour du Père est là. Yeshua HaMashiach est là. Oh, il est là. Il est là. Oh Père, merci Papa. Merci parce que tu es un Père, Seigneur. Parce que tu nous guéris, Seigneur. Parce que tu as vu le cri de ton peuple, Seigneur, Père de gloire. Et tu as décidé, Père de gloire, de venir, Seigneur, pour délivrer, pour restaurer, pour toucher un cœur, Seigneur. Nous voulons être enracinés en toi. Nous voulons être enracinés en toi, Papa. Nous voulons être enracinés en toi, Yeshua. L'amour du Père est là. 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 Oh Père, tu restaures, merci.
Oh merci Seigneur, merci parce que tu donnes des cœurs nouveaux Seigneur. Oh Père, tu changes les cœurs Seigneur. Tu nous amènes dans une autre dimension avec toi Seigneur. Cette intimité Seigneur, ce cœur à cœur Seigneur, ce cœur à cœur Adonai. Alléluia. Oh oui, merci. Merci Yoshua. Merci Papa. Merci Papa. Oh oui, l'amour du Père est là. Oh oui, il est là. Il est là. Oh oui, 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 il est là. I love you, Lord. 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 Oh oui, mon Père, je t'aime. Alléluia. Je t'aime parce que tu es précieux, Seigneur, Père de gloire. Tu es précieux, Seigneur. Tu es précieux, Papa. Tu es précieux, Papa. Tu es précieux, Papa. Tu prends soin des cœurs, Seigneur. Seigneur, toi tu vois les blessures, Seigneur. Toi tu vois les cœurs, Seigneur. Toi tu vois les souffrances, Seigneur. Toi tu vois nos larmes, Seigneur. Tu nous connais, Seigneur. Et tu enlèves ce poids, Seigneur, des cœurs, Papa. Alléluia, Seigneur. Tu enlèves des poids, Seigneur, Père. Tu enlèves des poids, Seigneur, Père. Tu décharges des cœurs, Seigneur, ce soir. Tu décharges des cœurs, Seigneur. Tu décharges, Papa, des cœurs, Seigneur. Tu décharges, Seigneur, Père. Alléluia, Seigneur. Tu enlèves des pierres, Seigneur. Tu guéris des blessures, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu libères, Seigneur, Père, des vies. Tu es précieux pour moi, Yeshua. Alléluia, Seigneur. Ton amour est si grand. Incomparable, il a su transformer ma vie. Tu es si précieux pour moi, Yeshua. Ton amour est si grand, il est incomparable. Il a su transformer ma vie. Tu es si précieux pour moi, Yeshua. Ton amour est si grand. Incomparable, il a su transformer ma vie. Tu es si précieux pour moi, Yeshua. Yeshua, tu es digne d'être adoré. Yeshua, tu es digne d'être élevé. Yeshua, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne. Yeshua, tu es digne d'être adoré. Yeshua, tu es digne d'être élevé. Yeshua, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, ton amour est si grand. Il est incomparable. Il a su transformer ma vie. Tu es si précieux pour moi, Yeshua. Ton amour est si grand. Il est incomparable, il a su transformer ma vie. Tu es si précieux pour moi, Yeshua. Yeshua, tu es digne d'être adoré. Yeshua, tu es digne d'être élevé. Yeshua, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne. Yeshua, tu es digne d'être adoré. Yeshua, tu es digne d'être élevé. Yeshua, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne. 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 Alléluia, Seigneur, merci. Tu guéris, tu délivres, Adonai. Tu es glorieux, Seigneur. Tu nous rends légers, Seigneur, dans ta présence, Père. Alléluia, Seigneur.
Laisse que mon cœur, Seigneur, Père de gloire, s'incline encore devant toi, Seigneur. Alléluia, Père, tu es merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur, Père. Oh, Seigneur, tu es si glorieux, Père. Tu es digne d'être élevé, Yéhoshua, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Yéhoshua, tu es digne d'être adoré. Yéhoshua, tu es digne d'être élevé. Yéhoshua, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, ton amour, ton amour, ton amour est si grand, il est incomparable. Tu as su transformer ma vie. Tu es si précieux pour moi, Yéhoshua. Ton amour est si grand, il est incomparable. Il a su transformer ma vie. Tu es si précieux pour moi, Yéhoshua. Yéhoshua, tu es digne d'être adoré. Yéhoshua, tu es digne d'être élevé. Yéhoshua, tu es digne d'être tel que tu es,
chez vêtu d'une robe blanche, dira c'est mon époux.
genou fléchi. Qui a été encouragé, frères et sœurs. Ah, le Seigneur est bon. En tout cas, on a terminé par là. Le Seigneur nous a vraiment encouragé, nous a fait du bien. Sa parole restaure nos cœurs. En tout cas, gardons ces cœurs, cette bonne terre, chaque saison. Amen. Demain, nous pourrons nous retrouver toujours au même endroit, ici, à 14h. Et dimanche également.